there are like three laptops involved in the show. One is for the samples and controlling all the lights. One is to give Sebastian all the sounds without any latency. And the third one is for the visuals, because we have projectors involved and two projectors that are volumetric. It's aiming the audience, so it looks like we could create, like we're creating tunnels. So it's like a combination of haze and projectors. So it was like 10 years ago now, right? More. Mm. Yeah, it's a long time ago. I don't want to think about it. But yeah, I was in high school and I was looking for a drummer to form a band. So we used to play in a band called Doyle Aarons, and we played for more than 8 years. Yeah. 9 years. Yeah, yeah, and we toured a lot of places in Europe. And then once it split, we started thinking about maybe doing another project and differently. Très déstabilisant parce qu'on vient tous les deux de la scène musicale rock et du coup on a dû complètement réinventer notre façon de concevoir de la musique. C'est-à-dire que les codes sont complètement différents, aussi bien dans le choix des sons que dans l'exécution, puisque là on n'est plus dans un système traditionnel batterie acoustique, guitare branchée dans un ampli. C'est beaucoup plus sophistiqué, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc, mais c'était intéressant de trouver une autre façon de, pour moi en tout cas en tant que batteur, de jouer du même instrument mais complètement différemment. Des sons qui n'ont rien à voir avec le rock traditionnel oui voilà, de réfléchir à d'autres concepts quoi. La musique électronique c'est souvent assez figé, on voit quelqu'un derrière son ordinateur sur scène. Il n'y a pas vraiment ce qu'on a connu nous en tant que musicien rock où il y a énormément d'énergie déployée sur scène. Énormément d'échanges avec le public, et les gens transpirent, ils se donnent vraiment quoi. Et nous, c'est vrai qu'on avait envie un peu de casser cette image du DJ planqué derrière son ordinateur. Et l'idée, c'était d'apporter, passer de musicien rock-metal dans la musique électronique, donc avec l'énergie que ça implique. Et donc du coup, on est parti vraiment des morceaux que TAC a composés et on les a réarrangés ensemble pour ce show. It feels really great, especially when we're in a festival where you have only DJs or producers standing in front of the computer and doing the show. And we feel like we're stepping out of this concept by bringing a drummer and having all the rhythm part played by him. Sebastian has a hybrid drum kit, so it looks acoustic, but because all the drum pads are not making any sound, I'm getting all the hit information on my computer, and then from this data I can trigger samples and visuals and lights. So even with Nonotech, we're getting a lot of things done in the world. It's because I guess we never dissociate the sound and the visual. We have a set that narrates one story and we stick to it anyway. Si la connexion entre nous est rompue, c'est une catastrophe en fait. Aussi bien pour les lumières que pour la musique.
C'est hyper cliché ce que je veux dire, mais c'est donner à chaque fois le concert comme si c'était le dernier. Du coup, comment on revient à la vie, je sais pas. Très vite, on se rend compte qu'il faut, on aura 2 heures de démontage, donc on se rend bien compte que ça va être difficile et on revient tout de suite à la raison par rapport à ça, quoi. Well, I guess it's also for this high that we kind of handling all this pressure of pre-show, etc. Because you know you get that high after the concert, even if it doesn't last long, because you obviously need to pack up and go, you know.